Putain, il a encore de la vie. Mais, sérieux ça? Il est là. Non! C'est bon. Là, y'a un autre. Des jours. J'ai peur. J'aurais pas eu les gaz, ça aurait été dur. On aurait pas eu les gaz. Ah, voilà. C'est vraiment dégueulasse. Les gaz, ils ont quand même bien taffé. Regarde ce diamant 2. Oh le con. S'il fait pas au moins 300 dégâts, c'est nul. Il veut pas la responsabilité. Quel con. Ah, il était déjà diamant à la saison 2. Oh là 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 là, mais ça se la pète. Oh, c'est pas le patine là, ça fait les éclairs. Ah, mais j'ai dit diamant. C'est, faut être non, diamant. J'ai dit pas le platine, pas platine. Ah, d'accord. Pas le platine. Mais non, il y a malentendu, j'ai pas fait de blague à la base. Je balance ton. Oh non. Je crois que le serveur il a crashé. Ah oui, on est d'accord. Parce que je pose mes bonbonnes, il y avait que le bitonio du haut. Et en l'air, on avait un diamant 2 dans nos rangs et voilà. Le serveur n'a pas supporté. Oh, c'est moi qui rejoins. Hein. Je suis là. Tu ne m'invites pas, je rejoins. Ok Google. Ok Oscar. Aujourd'hui j'ai fait une partie aussi. Et on est mort très rapidement. J'ai relancé une partie. Je me suis fait tuer par mon coéquipier d'avant. Je me suis fait tuer par Oscar. Comment tu t'es fait tuer par ton coéquipier? Parce qu'on était à nouveau dans la même partie, mais pas dans la même liste. Oh le con. C'est lui qui me suit. C'est lui qui me quitte pas. Ah non, t'as passé d'entrer dans la maison. Ah, je crois que j'avais bloqué. Je suis désolé de te le dire, il y a joué. Bonbon, je l'ai posé dans la porte. Parfois ils disparaissent, je sais pas pourquoi. Pour pas que tu rentres. C'est pour ça que j'étais content. Ah, mais j'ai plus rien à manger là. Et dès que j'en pose un, mais je me dis bah non, il y a jamais personne qui va passer là. Mais du coup, je le pose pas. Exactement le contraire de ce que je fais avec Bloodoon. Ça aurait rien changé. Ils étaient là pour me tuer, ils m'ont tué. Bah non, parce qu'ils seraient pas rentrés par cette porte en tout cas. Mais si, ils seraient rentrés où ils veulent. Mais je vais pas continuer parce que bon. Oui, non, mais j'y ai pas pensé. Mais même, je pense pas que ça m'aurait aidé plus que ça. Je pensais pas qu'ils allaient me rush en fait, c'est ça le problème. Alors, à ce niveau-là, 60% des personnes vont te rush. S'ils te voient tout seul, ils te rushent. Parce que moi, j'ai tiré sur les deux mecs du toit, alors moi je m'attendais pas à ce que le troisième vienne me m'acoquillonner. Bah, bizarrement, il y en avait deux sur toi donc. Ah non. Il y avait la Race et l'Octane qui était. Ah bah, il était descendu de son toit alors. Mais c'est chiant, les ennemis savent toujours où je suis, moi je sais jamais où ils sont. Il y a un petit drone qui passe sur l'écran. C'est-à-dire que les drones sont générés avant qu'on choisisse les persos. Ah ouais, vu que la carte est générée avant que tu... Ouais mais... Je sais pas, il pourrait sortir de la map s'il est pas bien généré du faux. Hein? Je sais pas si le... Bon, laisse tomber. Non, les drones, ils tournent autour d'une zone. Ah mais c'est un raid en fait. Ah d'accord. Moi je pense qu'ils avancent à une droite. Ah, je savais pas. Nous sommes avec le 7447ème meilleur joueur. Comment ça? Bah, tu regardes le. Il y a une bannière pour ça? Une. Regarde, fais tab et va dans squad, tu verras. Attends, quoi, ça? Quand tu sais ça? Oh putain! Oh putain! Bonjour. Oh putain, mais pourquoi il est avec nous lui? Quoi? Non, pas toi. Pas toi! On est avec le. Ah! On avec Oscar, lâche ma veste! Ça recommence! Ça recommence! Oui, ça recommence! Je le vois en train de se battre avec la manche de ma veste. Il y a trois gens, trois, deux, trois. Il y a des gens. J'adore les fêtes. Ouais, ah, j'entends ça. Gastroman. Non. Je suis allé voir Twitter tout à l'heure. Déçu de voir que Link a eu. Il est mort. Ouais. Et Jiraya aussi, hein. Jiraya a vécu sa meilleure vie. Alors, moi je vous laisse vous battre. Parce que ça va être compliqué. Attends que je trouve un truc à manger. Pourquoi j'ai eu une assistance? Ah, bah j'ai fait du gaz. Pourquoi vous en. J'apprends à parler plus tard. Si t'as du soin, je suis preneur. Bah non, moi j'avais. Jusqu'il y a 10 secondes, j'avais rien. Moi j'ai du mal. Bah, il se bat avec la manche de ma veste encore, Oscar.
Est-ce que t'auras le kill en assistance ou quoi? Oui. Il pleure. La manche, la manche lui a fait mal. Il l'a battu en retraite. You were killed by the manche. Ah, il participe pas avec mon autre chien. J'ai entendu un aboiement. C'est vraiment un battle royale chez toi, quoi. C'est battle Oscar surtout. Non, par contre, il y a un épisode, on est d'accord, alors un épisode où Yennefer elle est à poil tout le long. Je sais plus lequel c'est. Par contre, après ça, c'est la chasteté, y'a plus rien. Ouais. Ah, vous êtes tous. Mais du coup, je savais pas. Mais si, putain, en fait, Yennefer et Geralt, ils ont une putain d'histoire d'amour, en fait. Putain de quoi? Une putain d'histoire d'amour. Bah lol, le 3 il commence, t'as Geralt qui est dans son bain, elle qui a poil sur sa chaîne en train de se coiffer, donc oui. D'accord. C'est... Ce qui est terrible, quand même, c'est que tu peux finir l'histoire. Terrible. Ah, tout à fait, ouais. Tu peux essayer de choper les deux, à un moment, si t'essaies de choper les deux, bah te font tourner en bruit qu'elle t'attache à un lit. C'est vrai. Oui. Terrible, ça. C'est très drôle. Bon, bah je vais jouer à The Witcher 3, c'est parti. Tu peux aussi pécho aussi... Non, je déconne. Ouais, non, parce ouais. Que Ciri, elle meurt. Je suis un homme sain. Non, il y a plusieurs fins, il y a même une fin où Geralt meurt, donc... Ah ouais, celle, où en devient... fait, celle où elle devient impératrice, celle où elle devient sorceleuse, celle où... Si, impératrice. Ah, du coup, quand t'as fini la quête principale, tu peux pas... Enfin, faire... Y a rien après, quoi. C'est... Ah si, tu peux jouer quand même, je sais pas comment ça se passe, mais si... C'est comme si t'avais pas fini la dernière mission, comme Skyrim. Voilà, c'est les magouilles temporelles. Sûrement, oui. Ah, d'accord. Du coup, j'ai envie de lire maintenant. C'est que je vais certainement me mettre à lire le livre. C'est terrible. Et tu sais lire? Ah oui. J'ai lu plus de livres que toi dans ma vie, ok? Ouais, c'est fortement. Ah, tu es un érudit, alors. J'irai pas jusque-là, mais... Tu es un érudit, Harry. Ouf. D'ailleurs... Dans Pokémon, il y a un mec qui s'appelle Harry le gamin et il te sort l'insecte là avec des lunettes. Je suis là. Insecte avec des lunettes. Bah, le genre de chenille qui a deux grands yeux blancs. On dirait des lunettes. Ah, le... Ah, l'Arvadar là. Oui, le truc dans le L'Arvadar, ouais. Est-ce que c'est une référence à Harry Potter? Harry Potter. Harry Potter, puis un camarade de l'armée rouge, Harry. Blizzard. Ah, y'a un mec qui s'est pris les gaz là! Arrive! Non, mais c'est bon, je me fais pas attaquer, mais y'a un mec qui prend les gaz. Oui, bon. Ça me va rien, t'as rien dit. Fantomas! Par contre, du coup, oui, il fallait juste. Oh, il faudrait juste qu'on se mette d'accord sur le dernier truc. La dernière partie. J'ai invoqué un mec en disant Fantomas! Code par rapport à la matrice, du coup, comme on est censé faire, ou alors on fait un code qui marche. Tu sais très bien comment ça va se finir. J'aime bien. Tu sais très bien comment ça va se finir. On ne va absolument pas suivre ce qu'on a fait et on va le faire. Mais ces batteries à la con, elles sont chiantes. Non, on va essayer de foutre des trucs plus... pour donner l'illusion. Ah ouais, j'avoue. Oh, de ouf. On va faire du code sale. Ouais, du code sale, mais pas trop. Ouais, comme il nous a appris à le faire, quoi. Comme il y a un prof qui nous dit du code à la salaud. Il nous dit faites des matrices. Faites des maths, genre pour ça vous aidera pour le code, grosso modo, c'est ça le délire. Allez, c'est pour maths. Et ensuite, ouais, c'est ça. Ouais, je vois. Et ensuite, il nous fait, bon, mais du coup, maintenant que vous avez la matrice, bah, c'est simple, vous faites des switch. Oui. Ah oui, c'est dégueulasse, il n'y a rien de plus dégueulasse. Faut pas trop parler. Ouais, mais après, t'es sûr que ça marche bien. Ah oui. Mais... T'es sûr que personne ne le maintient derrière toi? Mais installe Apex là, viens! Viens! On sait! Attends, je vais voir s'il est mis à jour parce que. Viens, quoi? Je suis vraiment trop influençable quoi! Origine! Attends, non, mais on rigole! 5 Go de mise à jour! Voilà, ça j'allais dire, j'allais faire la balle, mais en plus c'est vrai! Mais non, mais là ce qui est très drôle c'est que nous. Attends! Moi je joue avec des diamants, je t'explique! Je suis mort 4. Là, le mec il est arrivé avec nous à la 3ème meuf. Il a écrit dans le chat oh no. En me voyant, il fait oh no. Non, mais le système d'équilibrage est à la pisse. Mais non, mais c'est normal.
C'est basé sur le plus haut. Ouais, mais c'est à la puce, c'est bien ce que bah je non, je suis diamant 4. Non mais oui, c'est con quand même, mais c'est comme ça. Mais c'est à la piste. Bah. Tu dis c'est à la piste, regarde. Non, je... Ah, c'est vrai que je suis un diamant très mauvais, mais... Ah. Attends, mais j'ai pas fait mes quêtes sur... Regarde, tu peux pas jouer. Ça doit être quelque chose. Lucas contre des diamants. Tu dévalorises pas Aurélien. Et j'ai fait des kills tout à l'heure. Tu rigoles, mais j'ai fait des kills. Ah mais moi je suis le pire Yankee. Enfin, le pire connard. Moi je me balade, je me fais buter de je ne sais où. Lucas, ça va quand tu te fais pas prendre au dépourvu. Moi je serais pire que Lucas, vraiment. Ah bah là je me suis pris une caisse du tapis roulant, tu vois, donc déjà ça commence très bien. Installation de la mise à jour d'origine, bon déjà... Ah bah... On part sur des bases pas saines. Ah mais je croyais que t'avais vraiment 5 gigas, c'était une blague. Mais non, c'est peut-être pas une blague, mais... Non, en fait cette blague je voulais la faire avant que tu le dises, mais du coup c'est peut-être vrai. C'est peut-être vrai. C'est très possible. Hein. C'est très possible. Soyons pas aussi optimistes, tu sais. Non, moi je dirais 4. Le juste prix. Il y a 4,3. Je crois qu'on joue juste pour faire gagner des points aux autres là. Oh tiens, je voulais vous demander, à la fac, il continue de bloquer ou comment ça se passe? Je sais pas. J'espère parce que moi, franchement, ça m'arrange. Ah ouais? Bah, moi, ça m'arrange. En vrai, ça nous arrangera tous les deux hein, parce que les cours. Oui, bah oui, évidemment. Mais même s'il trouve pas d'alternative, franchement. Ouais, franchement, je suis vraiment pas. Si c'est pour apprendre à faire. Je suis vraiment pas en marche. Quoi. Je suis vraiment pas le sens de l'effort. On va voir notre master. Bah, ça s'appellerait le master. Bac plus 5, on serait. Félicitations, on a notre année. Notre L3. Non, ça va, notre L3 il était plutôt mérité quand même dans le fond. Parce qu'on a pas loupé tant de partiels que ça au final. Il est déjà parti, notre allié. Même je suis pas sûr qu'on ait pas cette partie. Il descend. Y'a plus rien. Quand tu dis loupé, tu veux dire le partiel qu'on l'a raté ou. Non, non, non. Le partiel. T'as fait une caisse à l'arrière, non. Non. Ah, c'est pas. Ça arrive, Lucas, ça arrive. Putain, mais il se fait tirer dessus, notre allié. Au fertile, va aller. Oui, c'est peut-être pas tiré dessus, c'est juste fait exploser un drone sur la gueule. Attends, dis-moi que tu l'as écouté en VO quand même. Bah non, je l'ai pas écouté en VO. Oh putain! Fertile Valley! So second to you, Witcher, oh Valley of Plenty! Ça sonne mieux quand même! Plenty, c'est aussi, d'accord. Il disait que c'était déjà looté, donc qu'on arrête d'attendre. Et je fais ce que je veux, t'as pas mal! Avec Sarkozy, il va se calmer! J'ai essayé Tommy! Il a dit quoi? What did you say, Tommy? Je dis, je fais ce que je veux, je suis français. Mec, il parle dans le chat, mais je réponds en français, il comprend rien. Écoute, je faut le dire, moi j'ai jamais menti au français, je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. Putain, ça va être très drôle, les vœux de Macron, ça va être très très rigolo, je crois. Personne va les écouter. Oui. Non, mais c'est toujours drôle quand c'est la guerre. C'est peut-être Aurélien, parce qu'Aurélien, ça l'amuse. Non, mais c'est marrant quand c'est la guerre. Cher français, là il aura pété un câble, je vais vous dire, je vous encule tous jusqu'à la mort. Macron en roue libre. Putain, tu me dégoûtes. Tu me dégoûtes. J'ai ta sourde chancelin. Ami de l'humanité. C'est dégueulasse, ça sonne tellement mieux. En... Pourquoi je suis allé dans les 10 heures que j'ai. Aïe aïe aïe, j'ai une mise à jour en pause. Oh, quoi? Non, arrête! Non, arrête! T'avais quoi? T'avais dit 5 gigas? Bon bah on est à 5 gigas 92, yes! Oh, ça va, y'a pire. Ah non, je suis passé. Avec ta code merde, tu penses sûr que. Non, mais pire. Ça se fait vite. Franchement, j'ai toute la nuit. Hein. Quand même. Mais moi j'ai. Enfin, là ma connexion en plus elle est pas ouf. Quand ouais, même, si je le fais rapidement, un petit ping. Va aller. Oh putain. Qu'est-ce qu'il fout ce con là? Con de la lune. Couillonne de la lune. C'est vraiment le 7ème de la vie ça. Le 7000ème. En même temps, les 7000 meilleurs, donc en même temps, ouais, c'est pas énorme. Ah, j'ai plus. Je suis le meilleur. Prenez sur ma gueule. En fait, non, on va même pas lancer tous les.
là je crois que c'est EDL. Non, j'ai tellement géré avec mon gaz. Mon gaz il est étouffé. Mon père il se reste. Oui, merci. Wow. Faut s'en sortir, les amis. Il y en a encore. J'en ai tué un déjà, deux. J'en ai tué deux, moi. Ami de l'humanité. Tu sais que quand tu pars dans les aigus, c'est terrible. Alors qu'en anglais, c'est nickel. Ses notes sont tellement propres et tout. Regardez-le, cet animal. J'ai vraiment qu'il change la chanson de Noël. Yes, I need a life. J'adore ce mot à Oscar le chien. Interculturalité. On a comme cours. Aïe aïe aïe. Moi, je préfère les faire petit volet, moi. Simulation multi-agent. C'est quoi, c'est génial, ça, ah, ça va être sympa cette période, putain. Et l'entreprise fictive, je ne sais pas pour quand c'est. C'est quoi, simulant? Ah, d'accord. J'ai cru que c'était un cours, putain. C'est ouais, non, bah, c'était trop bien. On a cours. Oui, bien sûr. J'ai 20 points. Ah non. Quoi? Psychologie, naturalité. Tu m'as frappé. T'as l'interculturalité, je la vois tous les jours quand je vais à la fac, quoi. Donc, oui, la neige qu'a volé. Ah. T'es parano, t'as fait tomber un truc sur le sol, c'est pour ça. Ah. Data warehouse. Tu m'avais tapé. Ah non, date warehouse. Oula, oula. Ouais. Putain, on a de l'anglais. Ah oui, ils nous ont répartis par groupe aussi en anglais. Oui. Oui, qu'Aurélien il s'est fait. Ah oui, il s'est... Attends, j'ai même pas vu. Il s'est fait baiser. Moi, je suis pas regardé. Il s'est fait retourner. Je suis. Pourquoi on vient bah, t'es parti dans le groupe des mauvais. Ah bon? Ouais. Ce sont des choses. Moi, j'ai step up, je sais pas pourquoi. Moi, je préfère rester. C'est pas trop. Moi, je préfère rester. Ils ont lancé des pièces et ils ont fait le hasard. Dans ce coin, pardon. Ombrelle. Par contre, ils t'ont pas respecté au niveau de ton nom de famille. Oui, oui, ils m'ont pas respecté. Ombrelle. Ombrelle. Putain, Ombrelle. Ouais, pas sûr, moi c'est Ombrelle. C'est la guerre. Aurélien, on sera ensemble. Moi, au moins, je pourrais voir d'anglais, tu vois, je connais le tien, Florian, je sais que t'as été exceptionnel. N'importe quoi. Mais non, je me suis arrêté ma propre grenade. Ça a arrêté ma propre grenade. Mais t'es con aussi. Pouf, mon gaz. Oh, raté. GG, c'était raté. Ah bah merde. Par contre, y'a un truc qui s'est activé en bas, c'est normal. Ouais, moi j'ai envie de rentrer chez moi. Ah bah non, j'y suis déjà. Ça me prend des fois en journée, je suis chez moi et je dis putain, j'ai envie de rentrer chez moi. Merde. Il a un problème, ce garçon. Pouf, mon gaz. Eh ben non. Mais d'où il va le bouffer à un moment. Ben non, en fait, il s'est fait arrêter par l'ulti de Watson. Mais c'est sérieux. Pas par le mien. De pièces de théâtre. Mais je suis allé dans le truc, je suis qu'un con. Je suis qu'un con. Je suis allé dans le truc parce que je pensais que c'était l'autre, du coup. Et... Là, je suis chaud pour bosser. J'ai tellement la flemme que je n'arrive pas à aller chercher le TP. Sur internet, c'est quand même grave. Mais non. Je me suis exécuté. Ah, tu t'es fait exécuter. Ah, mais moi j'ai fait le gros con, j'ai foncé dans la barrière. Dans ma tête c'était la tienne, tu vois. Enfin, en rouge, bien brillant. Non, mais j'ai pas réfléchi en fait. Genre j'ai foncé dedans. C'est... Parce qu'en plus t'as jeté ton truc à l'intérieur et ça a tout cassé. J'ai été un sourcelier. Je vais t'enculer. Il y a aussi musique, c'est à la... Je sais pas si tu l'as écouté. Non. Très bien. La triste discussion. Non, mais surtout, tu l'as vu pas, non. C'est surtout que j'ai pas entendu, mais je sais que j'ai pas écouté. J'ai pas entendu le titre. À la fin de l'épisode 6. Non, mais j'écoutais pas les génériques. Donc... Mais on est pas tout le temps. Mais... Bah, tu sais, c'est le moment où Yaskier il est triste. Yaskier. Bah ouais. Non, c'est pas Yaskier, c'est Jaskier. S'il te plaît. Non, mais. Ta gueule, ça c'est en français, putain. S'il te plaît, pas Yaskier. Le con. Pas Jaskier. Quel. Oh, il y a une voix de merde. Oui, je suis d'accord. Oh, la voix de puceau. Oui. Oh,
C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Non, non, on est mort. On perdit le valet. Vous êtes vraiment dégueulasse. Mais ça me plaît. Oui. On a fait un H-kit le mec. Oh putain non. Mais non. Mais... le mec il a marqué 2 big hitbox on the gold 4 nié no thanks. Et là il joue sa race genre comme si c'était un pro. Mais à ce point là mais faut vraiment être un con. C'est ton moment, c'est ton moment. J'ai mis 3 balles, il est pas mort. Ah bon bah faudrait en mettre plus quand même là. Voilà. Pourquoi celle-là elle fait 40? Jette un saut aux orcelages. Aïe. Mais pourquoi cette fille est terrible? Ouais il part un peu en couille quand même. C'est marrant. Je me rappelle pas qu'il partait autant en couille. Ouais c'est pas beaucoup plus clean. Vraiment c'est... En vrai ses aigus sont plus clean. Pas beaucoup plus. Plus mais pas beaucoup plus. Arrête de te prendre pour Johnny Hallyday là. Non j'en sais rien. Qu'est-ce qui se passe? J'aime pas quand vous faites ça, quand vous foutez ça là. Bah tu le fais aussi. Bah non, moi je dis oh il y a un cargo bot et je tire dessus. Dès que je vois un truc je le dis. D'accord boomer. Je suis un enfant. Ok boomer. Bon faut qu'on rejoigne N4YD1. Là c'est quoi ce nombre de droïdes qu'il a? Ça va partir en cover. Non je déconne. En vrai je pourrais chanter mieux que lui. Sa mère Yakanamura. Yakanamura, putain what the fuck. Ah c'est une arnaque en fait, c'est les caisses qui bougent. Le tapis bouge pas. Oui, toi tu bouges pas sur le tapis. Eh, le tapis il bouge pas, c'est les caisses qui bougent. C'est pas normal ça. C'est le futur, c'est tout. C'est de la magie noire. Mais c'est un gros tapis. C'est le futur. Ça ne fait bouger que les caisses, c'est le futur. C'est des petites roulettes, bah non, mais c'est qu'il y a des petites roulettes. Est-ce que t'as vu des petites roulettes? Bah non, mais c'est pas ça que ça marche. Non, mais pourquoi il y a du trou en TT, je veux savoir. Ah, mais quand il dit Fertile Vallée, c'est les vallées. C'est les vallées, les gens. Les valets de cœur. Bah, un valet de cœur, j'en sais rien. Les valets, les personnes, les valets. Non, non, c'est la vallée. Arriba, Espanita. C'est quoi ce pseudo? Je sais pas, je crois qu'il est espagnol. Arriba, Espanita. Et t'as vu, il a pris une grosse hitbox. Il s'est pris un gros cul. Ça veut vraiment dire quelque chose, Espanita? Ça veut dire petite Espagne? J'en sais rien, je crois que j'ai fait LV2 espagnol, mais c'était dans une autre vie que j'ai fait LV2 espagnol. Moi c'était la troisième, donc c'est sûr c'est compliqué. Non pas la troisième, c'est la... moi c'est tellement loin que la troisième c'est aussi loin que la terminale donc... Il est vraiment espagnol. I can give you a Spitfire. Ah oui, savez-vous que Lucas pensait que le Hard Blue Down c'était un 360 degrés? Comment je peux savoir? T'as un gros effet qui te montre que ça part que dans un angle. Bah non, mais pour moi ça fait un espèce de... Ok, oui, il y a les petits trucs qui font devant, oui, mais il y a pas un cercle aussi, non? Pas autour de toi, non. Par que en arc de cercle. Bah ça fait un arc, mais moi je me dis pas, je regarde pas derrière moi, je vois pas derrière moi. Je vois pas ce qui se passe derrière mon cul. Et du coup, t'en as à foutre que ce soit 360. Et quand il se tourne de l'autre direction des ennemis, il le fait dans ma direction au lieu d'eux. Ouais, j'en ai quelque chose à faire. Ouais, bah comme. Fighting each other. Fighting each other, hein. Fighting each other. Je fais un accent russe, c'est impossible de faire un accent espagnol en anglais. Bah, en fait, j'ai fait un accent marseillais, russe et en parlant anglais, donc c'est assez. Un mélange culturel assez étonnant quand même. Espèce d'espagnolo là. Raciste. Je me suis mis dans le vocal et je me suis barré. Je suis pacifiste. Pacifiste sound, promis-toi. Je sais pas, y'a un truc qui a remué dans mon corps. Ah, c'est tiens, cliqué. Non, non.
Lucas découvre son corps. Et non, mais c'est pas ça, j'ai un petit gargouillement. Yes! Mais je bande! J'ai un petit gargouillement. Ah, mais t'es déjà mort! Mais il sert à rien, ce connard! Pas comme ça, Lucas. Oscar, il va venir. Je savais pas qu'il y avait un mec là, moi. Il sent une énorme tension dans la force. Mais il va rester en haut, ce connard! C'est pas possible! Qu'est-ce que t'as là? Il a dit quoi? Un jeu qui est là pour... Mais c'est moi qui ai parlé. D'accord, je comprenais pas. Eh, ce pèse de mongolo là. Voici l'histoire d'un arc. Mais c'est pas sensi encore, bordel. Non, bah, ça t'étais à combien? Mais si je pèse, comment je le vise bien? Oui, quand bah justement, c'est très simple. Mais non, il bouge trop vite. Faut que je puisse bouger rapidement. C'est débile bah, oui. Comme... Mais le truc, c'est que tu bouges justement trop rapidement. Tu passes à côté de lui, oui, mais à gauche, à droite. Je fais comment pour me retourner vite? Bah, ça, il faut que tu utilises de la place sur ton tapis de saut. J'ai pas de place sur mon tapis de saut. Bon, je me mets à 2. J'ai à 2,2. Que... Non, mais de toute façon, il veut pas l'installer très haut. Non, mais ça. Bon, alors, t'as... la sensi, de toute façon, ça allait en fait. La... C'était plus en fait ton DPI. DPI, t'arrives pas à rester sur ta cible. Non, mais quand le mec il bouge à Mach 10 devant toi, comment tu fais quoi? Bah, c'est de la pratique. Ah non, mais le mec il remue, il a 2 mètres de toi, t'as pas le temps de tourner, t'as le temps de rien faire en fait. Putain, mais rendez-moi CSGO, en fait CSGO c'est mieux. Tu peux rien te dire de plus que c'est juste de. Ton second to Witcher. Ton second to Witcher. Après, ça dépend si tu vises aussi. Parce que si tu vises, oui, tu toucheras pas à 2 mètres. Je sais pas ce que je fais, moi je panique et je clique. Hein. En plus, j'avais une petite hitbox, il devait pas me toucher là. Mais peut-être que lui il vise pas, hein, c'est tout. Lui il spray et il fait vas-y, ça va marcher. Bah, moi aussi je spray, mais ça marche jamais. Parce que toi t'as pas le réflexe, t'appuies quand il est à côté, pas quand c'est sur lui. J'ai pas ma balle, elle est pas infinie. Hein. Neville ou du bas. Non mais, non mais je m'en bats les couilles de Neville ou du bas quoi, il y a plus intéressant comme personnage quoi. Je m'appelle Jeanne du Troufillon. Je connais pas ce personnage. C'est Jean Troufillon, il fait de la magie avec son cul. Alors, je vais chercher sur YouTube Jean Troufillon. Aïe. Ne clique pas si tu trouves un truc. Tu as trouvé des trucs. La chanson de la démonétisation. Ok. Mouche, Troufillon et moi. Oh là là. Ah non, non, pas Marinou. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Vas-y, tape la passion de Marinou. D'accord. Ok. Mouche Troufillon. Et c'est quoi tu dis? La passion de Marilou. La passion de... Tu cherches Marilou. La mouche de gombe. Nous. La passion de Marie-Madeleine. Mais non. Ah, la passion de sa chaîne quand même. Ah non, tu cherches Elise et Moon. E-L-I-C. Voilà. Moon. C'est... Attends. C'est la lettre. Je suis sûr que c'était la forme de Yennefer avant. Putain, mais... Wow. Elise et Moon, ok. Oh la vache. Ah mais... La vache. Ah mais... Ah bah apparemment, a priori, j'ai déjà vu une de ses vidéos. Du coup, j'ai déjà dû montrer, oui. Il est cette charmante demoiselle. J'ai peur. Je sais pas, j'ai jamais regardé de vidéo, mais c'est les titres et la tête qui est drôle. Quoi. Oh putain, okay, il y en a une qui date de un mois. Ah, elle en a refait. Elle en avait pas fait hein, depuis un mois. Et en bannière, elle a une image d'elle avec une bulle noire à côté avec marqué « Je ne suis pas hermaphrodite ». Ah oui, non mais la bannière, elle était déjà comme ça. Je savais pas. C'est quoi sa dernière vidéo? Marine Lorenza, La Passion. Ah, c'est une chanson. Putain, c'est bien. Je l'écoute tous les matins pour me mettre en forme pour la journée, ça me donne la rage de vivre. Plus revigorant et iconique, Kai of the Tiger. D'accord. Putain. Mais c'est quoi cette merde? Mais comment ça peut avoir 23 likes et 0 dislikes? Comment c'est possible? C'est elle qui achète des bottes. Bon, alors là, vous allez me détester. Oh non, je m'en vais. Bah bien sûr que oui. Il faut que vous écoutiez cette merde. Un trajet direct pour les crématoires. Putain mais c'est vraiment mieux que le con.
Quelle horreur. Et honte. C'est un récit sataniste. C'est une prière sataniste. Hein. Je sais pas. Je sors mon épingle du jeu. Ça me rappelle YouTube il y a 10 ans. Bon, par contre, quelle horreur. Oh merci. Arrête. La passion, la passion. Me dirais moi quand je faisais communauté du cul, putain. C'est horrible. Je vous annonce ma chaîne de musique. Bah, s'il te plaît, non. C'est comme ça que je suis censé faire un top 1. La chaîne de musique Marie Chantal Marine. Mais attends, okay. Mais elle connaît le principe de rythme. Je sais pas quelle âge elle a cette meuf. Je sais pas, mais elle est pas bizarre. Elle en... j'ai 18 ans. J'ai mal droit de maladie, putain. Ouais, parce qu'elle est un petit peu, un peu chelou. Ouais. Enfin, elle a un physique assez particulier. Oui, oui, mais vas-y, hein. Non, mais... Putain, heureusement qu'elle dure que 4. Enfin, non, elle dure quand même 4 minutes. T'as le petit Francky Vincent. Je sais pas. Merde, le train s'arrête. Quelle horreur. La passion. Comme les fruits de la passion. Oh putain, Marinou et son cousin. Bah, voilà. Ah, elle est inatteignable. Mais what the fuck. Ma passion aura raison d'aimer. Putain, franchement, je comprends rien. C'est en live que tu m'as piégé. C'est dans... je ne suis pas hermaphrodite. What the fuck. Mais en fait, je crois qu'elle a pris son téléphone, elle a pris les mots suggérés, tu sais, elle a fait une chanson avec. Ah putain, mais après, ça va être recommandé. Ah non, pour le coup. C'est à la mode. Je suis vraiment désolé. Attends, je vais découvrir les tréfonds de YouTube, je vais taper genre. Un truc random. Caca. On va voir ce qui sort comme vidéo filtrée. Dernière heure. La passion, c'est une flamme. Gabi le cas. Aucune vue. Parfait, je serai la première vue. Oui. Mais j'ai envie de crever. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Gabi le caca. Je suis en apnée. Mais qu'est-ce que je suis en train de regarder? Putain, mais le chanson n'est pas terminé cette merde. Ça dure 43 minutes en plus. Mais putain, j'ai pris la version longue ou quoi? Répète 45 fois la passion, c'est un feu, le machin. Gabi le caca. Envoie le lien de Gabi le caca. J'ai même pas vu les... Bah ouais, vas-y, si tu veux, je te... Mais en fait, non, c'est un gamin de 5 ans. Il y a des gens qui sont caca. Vraiment en roue libre. Gabi le caca va vous raconter son histoire. Il était une fois, Gabi le caca a fui dans la toilette. Ensuite, il a fui dans la face de quelqu'un. Ensuite, Gabi le caca est tombé dans la toilette. Mais il a quel âge, ce gosse? Il va nous parler... Ah non, la caca. Donc c'est en espagnol. J'espère. Ah oui, mais il y a que des espagnols, c'est relou. Gabi le caca ne restera pas longtemps. Bon, on va taper genre. Alors, moi, des vidéos malaisantes quand j'étais petit, j'en ai fait comme ça, mais à ce point-là, ce n'est pas tout ce que j'aurais pu imaginer. Non, mais Gabi le caca, égale le caca. Qu'est-ce que t'as tapé pour trouver ça? Tu tapais caca. Non, tu cherches aussi. Dernière heure. tu cherches. Oui, j'ai cherché. Tu cherches. Je sais pas quoi taper comme truc con, sans que ce soit vulgaire. Babouche. Pantoufle. Dernière heure. Ah, y'en a pas en dernière heure, aujourd'hui. Mais attends, y'a vraiment Pantoufle Studio. J'ai 14 ans, ok. Il était une fois Gabi le caca. T'as vu, c'est magnifique. Aucun t'a trouvé à la dernière heure. Mais tu sais, bon, que Terra, il a fait des streams comme ça où on lui donne des mots et il cherche. Antisémite, dernière heure, y'a rien.
c'est Gabi le caca, et puis il fait caca. J'ai même plus l'histoire tellement c'est con, ça n'a aucun sens, avec ça dure tellement peu longtemps. J'ai pas pu assimiler le truc. Oh mais Gabi le caca. Moi j'en ai ras le cul, c'est bon. Là je veux juste un PC. Allez. Ah bah t'as un cul. Non mais vraiment là, le mec il m'arrive dans le dos doux. Vas-y, je t'invite à taper Josan et des trucs chelous. Je sais pas ce que c'est cette langue, mais... Josan Kebab. C'est un pantoun spontané des rebats. C'est quoi ça, putain? Bah c'est moi en fait. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est que des trucs de danse ou... Je sais pas, c'est un show ou je sais pas quoi. Rosan... Bah à mon avis, il doit y avoir... une sorte de nouvelle star version pakistanaise. Il y a des Lozons. Ah, attends, il y a Annick. Annick, Kayette, Lozon, Vapon, ok. Il y a Salamé. Je suis sur la même. Et boum, sur France Inter. Lozon live. Lozon, boum. Est-ce que vous, il y a Léa Salamé qui a prononcé votre pseudo? Je crois pas, non. Non. Ah, c'est marrant, c'est pas mal ça. Je tape Water, ça m'en premier, ça m'en chaîne. Ça met la chaîne de Water en deuxième, ça met ma chaîne en troisième, ça met mes chaînes. Non, il n'a pas dit Jeux en. Ça t'imagine. En premier, c'est Oscar est possédé. Les résultats d'Oscar sont très très. De Water sont très très drôles. Oh putain. Il y a juste une vidéo de LOL au milieu parce que j'ai mis Water dans le titre. Et puis après, c'est que du Oscar. Oscar et la gamelle. Allez, direct un like. Oh bordel. Oh. Les aventures d'Oscar, Speedy Oscar, attends. Je te reste du cas, je peux plus regarder Oscar. Allez Oscar, bouffe cette gamelle, bouffe tiens, cette gamelle. Bouffe la gamelle. Speedy Oscar. Bah non, il en a peur hein, de sa gamelle. Putain, c'est emmerdant quoi. Pas, pas sa gamelle, mais de la gamelle. Ouais. Allez Speedy Oscar. Oh la vache. Il est pas... il n'est pas à la moitié de son accélérateur. Bon, en fait, tu filmes et genre, en fait, tu vois juste un petit truc qui passe. Mais pourquoi il y a encore des mecs dans ce bâtiment, putain? Oh, j'ai trop vite. Mais j'ai envie de me buter là. Et pourquoi? Mais je suis le pire Bambi en fait, c'est incroyable. Mais qu'est-ce qu'il fout des nains, ce mec, putain? Le mec, il filme sur Fortnite, sur le lobby, et il parle en espagnol avec une voix de 5 ans et. Et à la verticale en plus. Ils sont entre potes. Avec d'autres entre potes. Ouais. Il veut faire le top 1. Il montre le chat. Oui. Ah, ils ont tout compris. Chat et Fortnite sur YouTube. Ça explose de vues. Malheureusement, il n'y a que 17. Oscar est possédé en Fortnite, recommandation. Mais pas souvent. Pour plus de likes. Oh mon dieu! Il faut que je passe. Mais y'a combien de chaînes avec mon nom? Mais c'est horrible! 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17! Ah mais non, ça c'est vraiment ma chaîne! Mais non, mais c'est vrai que j'ai un compte normal quoi. Qu'est-ce que je viens pour poster des commentaires haineux. Je sais pas que les vidéos étaient en public, merde, c'est pas normal ça. C'est pour le travail. Non, parce que c'était un prototype vidéo qu'on a fait au début d'année là. Tu veux pas que les autres sachent ça? Bah, de toute façon, j'apparais pas sur la vidéo donc je m'en fous. C'est moi qui ai monté quoi. Ah, mais je veux dire qu'ils sachent pour ta vie parallèle. Non, oui, ça. Ta vie parallèle de youtubeur à succès. C'est moi qui ai planté ou c'est le serveur? C'est le serveur, j'ai planté aussi. La piste des bois. Tu sais que dès le début, le livre il commence sur l'histoire de la strigue. Voilà. Ça commence direct avec. Enfin, il parle à... La strige. Oui. Fais ça comme tu veux, on s'en fout. Ça y est, j'ai trouvé... Oh oui, j'ai trouvé une perle. Oh putain, yes. Big. J'ai trouvé une perle. Mais qu'est-ce qu'il veut faire, ce... Non, il fait rien. Non, j'espère qu'il va chier. Ah, il a reçu un ballon dans le cul. Ah, d'accord. Moi, j'ai peur qu'il chie quand même. LOL, c'est Léonie. Marin, t'es vraiment trop con. Marin, c'est vraiment un couillon MDR. Ah putain, Marin. En général, les mecs, quand même, pseudo du style ninja assassin. C'est que des gros. Qui ont 4 ans. Mais se trouve, il est meilleur que toi. Bah, c'est ce qu'on va voir. Moi, j'ai pas reçu un ballon dans le cul.
Mais je suis une pourriture. Je suis une pourriture en fait. Non, c'est pas ça. Il est où ce con? Mais il est... Non, il y en a d'autres derrière toi. Non, c'est lui. Oh, j'en ai ras le cul, j'ai envie. J'ai vraiment envie de marcher les couilles. On se fait tout le temps le paguer par 36 teams à la fois, mais moi je sais plus. Hein. Non, mais j'en ai marre des conversions de type, putain de merde. Et tu fais cast, pardon, une projection. Mais c'est de la merde, ça, c'est dégueulasse. Plus, tu fais comment une projection quand c'est un string à la... Bah, tu le mets au lavage d'abord parce que ça pue et après. J'avoue. LOL. Comme les beats, les strings, qu'est-ce que c'était drôle en première année ça. Alors, avec des potes. C'est la première fois que je joue à ça, on était tous un peu déchirés, je sais plus comment l'idée est venue, moi on s'est retrouvé tous la queue là autour d'une biscotte E de Ber. Putain, la précision était vraiment nécessaire. E de Ber. On était 5, le premier est venu super rapidement, genre 30 secondes, du coup on s'est moqué de lui parce qu'il était précoce, après ça tous. On avait tous du mal à bander tous mou, hein, au bout d'un moment. On avait tous du mal à bander tous mou. On bandait tous mou, bon merde, ta gueule. Au bout d'un moment, il y en a un qui gicle, un putain de G, il y en avait partout, d'un coup. En m'imaginant perdre avec tout le stress, je suis concentré à fond, j'ai réussi, je suis arrivé troisième, smiley, lunettes de soleil. Ensuite, il en restait plus que deux. On était 3 MD, on s'amusait tous à être déconcentrés en soufflant dans les oreilles. D'accord. Il était tout rouge et en sueur avec des veines sur le front, merci de préciser. Et tout, au bout de genre 10 minutes. Oh putain, mais faut vraiment être con. La dernière fois qu'il a réussi à ce moment-là, il a poussé un putain de cri de victoire, genre. Il y a eu genre 2 gouttes qui sont sorties. Ouais. Franchement, les détails. Et là, le perdant, il s'est vite mis à pleurer. Putain, moment d'anthologie. Il voulait pas manger la biscotte. Et nous, on lui disait, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Non, putain, ils ont 40 ans. On lui mettait des claques pour qu'il se dise qu'il a bouffé. Au bout d'un moment, il a mis à 4 pattes. Je choisis mon personnage. Il s'est décidé à croquer dedans. C'était horrible. Il a dû mâcher avec des gouttes de sperme sur le menton et des larmes sur les joues. Non, mais merci les détails, putain, c'est pas possible. T'as écrit tout, hein. Il y a trop de détails pour que ce soit faux. En vrai, je sais pas. Bien sûr, on a filmé, on l'a mis sur Facebook direct, trop bon, putain, c'est risqué comme jeu, on se marre bien. Mais si tu l'avais envoyé sur Facebook, t'avais qu'à mettre le lien, pour si c'était vrai, connard. Mais je serais pas allé cliquer, hein. Bien sûr. Non mais faire ça sur Facebook, faut vraiment être débile, quoi, genre. Non mais vraiment, déjà le faire... Pourquoi quand je... Non, le filmer, non, mais le publier, mais niquez-vous. Bon. Putain, j'aurais plus jamais les biscottes de la même manière, quoi. C'est vrai. Demain, pense-y. Quand tu prendras ton petit déjeuner. Non, je mange pas de biscotte. Avec du lait. Avec des chocs. Salut mon pote. Parce qu'il a toujours pas trouvé d'armure. Qu'est-ce qu'il fait? Je crois qu'il a trouvé une biscotte. Ça doit être ça.